Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Neige qui dort, Carla aussi qui dort, elles sont là derrière, on voit Carla. Voilà, aujourd'hui on est samedi 1er juillet 2023, il est déjà 14h23. Pour cette première vidéo collection PS5, je vais vous présenter les jeux PS5 qui composent notre petite collection. Alors il n'y a pas autant de jeux PS5 que de jeux PS4. Pourtant, il y a déjà beaucoup de titres de sortie qui m'intéressent, mais disons que on y va progressivement, on se prend pas la tête, et de temps en temps, on rentre un jeu PS5 quand ça nous fait plaisir. Je vise en premier évidemment les exclus PS5, les jeux qui sortent sur PS5 et qui ne sortent pas sur PlayStation 4, puisque je suis toujours quand même en priorité sur la PS4. Je cherche également les jeux PS5 qui existent sur PS4 mais qui ont des améliorations du contenu en plus. C'est-à-dire qu'il y a parfois des versions plus abouties ou avec des DLC en plus sur la PS5 et à ce moment-là ça m'intéresse de les avoir aussi dans la collection. Et puis parfois j'y vais aussi au feeling. Alors je vais vous présenter nos jeux PS5 par ordre chronologique, c'est-à-dire pas ordre chronologique d'achat, mais ordre chronologique alphabétique de A à Z. Alors je commence par 3D Ultra, 3D Mini Golf. Alors c'est pas une exclu PS5, il est sorti sur PS4 celui-là, mais disons que je l'avais trouvé une fois en promotion sur Just for Game. Et moi je suis super fan des jeux de mini golf. Alors faute de l'avoir sur PS4, ben, je l'ai pris sur PS5. Et voilà, je suis super fan de ce genre de jeu. Alors, les jeux PS5 que l'on a dans la collection, je ne les ai pas encore testés aucun. On n'a pas encore branché la PS5. On l'a, mais elle est encore dans le carton. Donc on verra. Pour l'instant, j'ai beaucoup de jeux PS4, Switch et autres en retard à faire. Alors je vais poser les jeux au fur et à mesure à côté de moi. Ensuite, Death Stranding. Alors on l'a aussi sur PS4. Sur PS4, je l'ai commencé d'ailleurs, mais disons qu'il y a il y a des choses en plus. Il s'agit là sur la PS5 d'une Director's Cut, si vous voyez bien. Au niveau du gameplay, d'après ce que j'ai lu, il y a des choses en plus. Donc voilà, ce sera l'occasion de faire deux fois le jeu. Je le ferai une fois sur PS4. J'ai commencé à faire quelques let's play dessus, et quand j'aurai terminé sur PS4, je le referai sur PS5. Ensuite, Deathloop. Alors, je crois que c'est une exclusivité temporaire. C'est sorti d'abord sur PS5, mais ça devrait sortir aussi sur Xbox Series X, je crois, si je ne vous dis pas de bêtises. Un jeu Bethesda où notre personnage meurt en boucle et respawn, et il faut trouver la solution. Ça se joue en vue FPS. J'ai trouvé ça le principe très sympathique. Ensuite, le jeu que l'on a eu avec la PS5, parce qu'on avait acheté la PS5 chez Micromania, Demon's Souls. Donc c'est un remake du jeu qui était sorti à l'époque sur PS3. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire sur PS3, Demon's Souls, alors du coup je voulais vraiment avoir ce remake. Ensuite, Devil May Cry 5, spécial édition. C'est une édition spéciale avec du contenu en plus par rapport à ce qui était sur la PS4. Je l'ai gagné aux enchères sur eBay. Je l'ai eu pour pas cher, j'étais content. Ensuite, Final Fantasy VII Remake. Il y a en plus une extension via un code, une extension où on joue Yuffie, une ninja. Ensuite, Insomniac, ça avait l'air très sympa ça. Après, Lake, un petit jeu indépendant qui a l'air très reposant, très relaxant. J'ai vu quelques extraits, ça avait l'air très sympa, donc je le voulais vraiment. Et puis j'aime bien la jaquette, elle est très jolie. Ensuite, le dernier, Ratchet and Clank, Rift Apart. Celui-là, je crois que j'avais acheté sur Vinted. Apparemment, c'est quand même une sacrée vitrine technologique et très impressionnant. Le jeu, j'avais vu quelques extraits de gameplay, ça a l'air très très sympa. Le fameux Returnal, il paraît que le jeu est exigeant sur PC.
La version PC exige une configuration assez lourde. Du coup, ça va être plus facile d'y jouer sur PS5 que sur ordinateur. Un jeu qui a l'air très sympa également. Je poursuis avec un jeu qui avait l'air vraiment très cool. J'avais acheté sur le site dechamp.fr. C'est The Chant, Limited Edition. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un bouquin, là j'ai l'impression un artbook, et puis on a le jeu. Medium, à la base c'était une exclusivité Xbox Series, mais c'était une exclusivité temporaire et a fini par sortir sur PS5. Et pour terminer, la lettre Z, Ziggurat 2. Alors, j'ai le premier Ziggurat sur la PS4. C'est un jeu où, quand on meurt, on doit recommencer à zéro. On rentre dans les donjons. Les donjons sont générés de manière procédurale. Donc, on ne sait jamais comment on va être les donjons. Et on gagne des compétences qui peuvent nous aider. Ça se joue en vue FPS. Et j'avais adoré le principe sur PS4. J'ai beaucoup aimé le premier Ziggurat. Il faudra que je m'y remette dedans. Et le 2 est sorti sur PS5 et pas sorti sur PS4. Donc voilà, je voulais absolument également le deuxième Ziggurat. Celui-là, je l'ai eu en solde sur le site Just for Game, là dans les dernières soldes. Je sais plus à quel prix, je crois que c'était dans les 14 euros ou un truc comme ça, je sais plus. Donc voilà, c'est tout pour la collection PS5 et c'est un bon début, je pense. Après, il y a facile encore une centaine de jeux que je cherche sur la PS5. On verra bien, on y arrivera petit à petit. Je vais essayer de choper en priorité les plus anciens pour ne pas les rater. Voilà. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut, salut, au revoir.